Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre série des lundis de l'apéronie. L'abstinence sexuelle peut-elle être à l'origine d'une maladie de l'apéronie? Eh bien oui, l'absence d'activité sexuelle, lorsque celle-ci est prolongée et complète, peut entraîner une fibrose des corps caverneux qui peut parfois se localiser au niveau de la tunique albuginée du corps caverneux. Dans ce cas, le patient retrouvera des érections lorsque le moment sera venu, mais il constatera une déformation de sa verge. Cette déformation est assez fréquemment une déformation au bout de laquelle on peut arriver en utilisant une pompe, un vacuum, et en utilisant des exercices réguliers d'assouplissement, sans avoir recours à des traitements médicamenteux. On rencontre la situation chez des patients qui ont perdu leur épouse, chez des patients qui se sont séparés de leur compagne pendant une longue période, ou encore des patients qui ont été hospitalisés, notamment en réanimation, pendant une période de coma, ou hospitalisés pour une longue maladie, et qui découvrent, la fin de leur période d'abstinence, une courbure de verge. Dans ce cas-là, je vous encourage à mettre en place les exercices tels qu'ils ont été expliqués dans une autre vidéo, les exercices d'assouplissement en utilisant un vacuum, voire éventuellement un extenseur, et de ne consulter que si la situation ne s'améliore pas après la mise en place de ces exercices. À bientôt.